Alors, je viens de faire l'organelle. Elles ont un petit peu d'eau. Hop, je vais essayer de les appeler. Je n'avais pas vu. Alors, il y en a une, elle a la pomme, elle ne l'a pas touchée. C'est Shana. Et Plume, elle a ramené sa balle de tennis. Plume, Shana, viens, on va manger. Allez, au pied. Allez, viens, doucement, Shana. Doucement, on ne va pas tomber sur la pomme. C'est bien, ma chérie. Allez, c'est bien. C'est bien, mon amour, viens. Viens, voilà. Alors, j'ai remis des tapis pour ne pas glisser. Viens, viens, ma chérie. Vas-y. Allez, viens, toute seule. Vas-y. Hop là. Doucement, c'est bien. Regardez. Hop. C'est pas beau, ça? Plume, au pied. Tout de suite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens manger. Oui, j'ai remis des tapis partout. Je suis vraiment désolée, c'est pas top. Mais bon, pour l'instant, ça sera comme ça. Voilà, la sécurité de la louloute avant. Et après, on verra. Hop là, ben non, elle n'a pas eu faim. Bon, hop là, doucement. Doucement, doucement, oula. Doucement, tu me fais quoi? Ah si, elle va revenir. Elle a emmené une croquette, elle va revenir automatiquement. C'est pour goûter si le repas est bon. Allez, Shana. Doucement, doucement. Doucement. Hop là, secoue-toi pas. En plus, je t'ai lavé les oreilles. Allez, viens, viens ta gamelle. Doucement, doucement. C'est pas mal, hein? Des fois, je ne me rends pas compte, donc je perds le moral. Mais je pense qu'elle avançait bien. Allez, va ta gamelle. Regardez, regardez. Non, mais attendez, mince. Il ne faut pas que j'en demande trop non plus, je pense. Hein. C'est moi qui suis un petit peu trop pressée. Voilà, les loulous, tellement. Tranquillement, hop, les pattes sont bien droites, toujours pareil, hein, elle a son petit harnais, enfin sa petite attelle, pardon, et ça mange, toutes les deux, tranquillement, tout va bien. Bon, bah, c'était pour vous montrer que vous voyez, il y a des jours qui sont meilleurs que d'autres, c'est pas toujours évident, je vais faire sortir Shana avec Plume un tout petit peu dehors. Ça dure jamais plus de 5 minutes. Hein. Malheureusement, c'est pas possible. Qu'elle puisse sentir l'herbe. Elle adore sentir l'herbe, arracher l'herbe. Voilà, donc ça va déjà lui faire du bien. Et puis, vous avez vu, j'ai mis des tapis un peu affreux partout. Donc, ce qui fait que là, elle peut marcher. Là, elle peut marcher. Et là, j'ai un petit bout là-bas, jusqu'à là-bas. C'est pas top, bon ça c'est son coussin, hein. C'est son matelas anti-escar. Donc pour l'instant, bon je l'ai laissé là, mais je l'ai aéré toute la matinée, donc ça va bien. Ça c'est une pomme pelée que j'ai mis parce qu'elles adorent les pommes, mes filles, quoiqu'elle ne l'a pas touchée. Et puis voilà, donc voici les louloutes, toutes les deux à table. Vous voyez, on avance. Je vous embrasse tous et passez un très très bon samedi. Au revoir et à bientôt. Nous voici dehors, je ne vous dis même pas. Pour descendre 4 marches d'escalier. À la Shana, je la tiens quand même par là, vous voyez. Hop là. Allez, viens, on marche. Vas-y, fais-toi les muscles, doucement. Doucement. J'ai vraiment envie de la lâcher parce qu'elle n'a pas envie d'aller bien loin, mais bon. Fais voir. Ah, j'ai envie d'essayer. Viens là, doucement, Shana. Shana, tu restes là. On va tenter. Plume. Là, Shana, Shana, viens là. Viens là, ma chérie, viens. C'est bien. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Tu vas doucement. Doucement. C'est bien. Viens, tu essayes de venir là. Plume, viens, Plume, Plume, viens ici, viens, viens ici, au pied, doucement, Shana, ouh là là, hop, 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 ouf, 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 elle va pas aller loin, mais elle gambade quand même un petit peu, hein. C'est super, ah ouais, c'est chouette, hein, oh, moi, Shana, viens, moi, Plume, la Plume, elle surveille, hein. Y a personne qui approche, là, ça, c'est garanti. Bon, je vais couper, donc oui, j'oubliais de vous dire, je pense que je vais couper un tout petit peu l'ostéo
Et puis retourner, bah, écouter à la clinique puisqu'il y a de la physiothérapie avec de l'eau, etc. Ça coûte bien, bien plus cher. Donc les deux, malheureusement, je vais pas pouvoir. Mais on va quand même arriver à s'en sortir et puis à refaire nager et remuscler surtout l'arrière de Shana. Voilà. Bon, il y a un petit copain qui arrive là-bas au fond, je vois. Donc je coupe et puis je vais tenir mon chien à deux mains. Au revoir et à bientôt. Plume, plume.